Salut tout le monde, c'est Mauno. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous présenter les travailleurs les plus rapides du monde. Donc c'est une vidéo compilation, je vais vous la montrer. On va voir ensemble les personnes les plus rapides du monde parce que nous, oui, quand on achète de la nourriture ou quoi que ce soit, on a déjà vu des gens travailler mieux que nous quand on essaie de faire quelque chose qu'on connaît pas forcément. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter les meilleurs dans ce monde et ceux qui sont capables de faire des choses vraiment incroyables. Et donc sans plus tarder, on va directement voir ça ensemble, c'est parti. Donc là, regardez, il est en train, on va dire, je crois que c'est du chocolat. Il est en train de battre le chocolat, mais de le jeter en l'air carrément et le remettre sur la même table sans déborder. Comme, voilà, comme si c'était rien. Donc là, je sais pas, je crois que c'est de la menthe. Vraiment désolé si je me trompe, mais je connais pas vraiment. Wesh, il découpe, on dirait du slime. Oh! Eh, c'était liquide à la base, on est d'accord, hein. Ah, je crois que c'est pour faire un chewing-gum, ça, c'est quoi? Ah non, des sucettes! Ah ouais, mais regardez comment c'est fait! Là, c'est pour rendre rond, je crois. Okay. Donc là, c'est les oignons. Et il les coupe vraiment super rapidement. Moi, si je fais comme lui, je me coupe un doigt. Waouh! Ah, vraiment, il fait super bien, ça se voit. Regardez la manière dont il fait, ça se voit qu'il a l'habitude. Et donc là. Ok. Donc là, pareil, regardez quand il coupe, ça fait. Il coupe vraiment super rapidement. Et là-dessus, ben, il n'y a pas à se tromper. Wow, alors lui, c'est encore plus rapide. Wesh, regardez. Il fait. Wow, on dirait des mitraillettes, leurs mains. Wesh. Non, vraiment, ils sont super rapides. Regardez, ils le font, mais vraiment sans se couper. Alors qu'il n'y a pas de gants, il n'y a rien. Si le couteau, ben, tu peux te trancher facile. Oh! Wesh, regardez. Il coupe le poisson, mais en plus le poisson il est énorme. Ça veut dire que pour le couper, il faut le prendre et il doit être assez lourd. Regardez ce poisson, wesh. Eh, il est plus grand que nous. Wow. Ça se voit qu'il a l'habitude. Wow. Wesh. Eh, écoute-moi bien. Jamais je vais me battre contre toi. Regardez comment elle esquive les coups. Oh, on dirait Dragon Ball, wesh. Non, c'est vraiment, c'est Naruto. Ah, moi. Wouh! Mais jamais je me bats contre toi. Jamais de ma vie. Elle m'envoie un truc bizarre, je me fais couper la tête. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est. Ah, c'est un fruit, ça, c'est quoi? Ah ouais, c'est un fruit, mais je crois qu'il est dur, ce fruit. Et pour le couper. Ah ouais, non! Il va l'éplucher comme ça? Ah, mais il est rap. Ah, une hache en plus, wesh. Enfin, une hache, une hachette, ou je sais pas comment on dit, ouais, une hachette. Eh ben. Ah, ouais, il enlève pas mal quand même de fruits, mais bon. Il épluche super rapidement. Alors que ça doit être dur, hein, parce que vu quand il donne des coups, ça doit avoir une certaine consistance quand même. Et vraiment, il. Wesh. Ok, donc là, c'est. Je crois des pompiers. Ouais, des. Wow, regardez à la vitesse à laquelle ils mettent le masque. Wesh, ah non, c'est un entraînement. Eh, ils sont super rapides. Wow, regardez comment sauver une personne. En 2 secondes, wesh. En plus, c'est même pas mis en accéléré. Avec leurs mains, ils font des trucs comme ça. Ouais, vraiment, ils sont super rapides. Voilà, c'est quoi un vrai travailleur. Je dis pas que, attention, ceux qui travaillent ne sont pas des vrais travailleurs. Mais regardez comment ils se donnent la peine, eh ben, d'effectuer les tâches qu'on lui demande. Et peu importe l'épreuve, il la réalise et il la surmonte le plus rapidement possible. Vraiment, quoi, c'est impressionnant. Wesh. On dirait des machines. Donc là, pareil, c'est comme tout à l'heure. Mais vraiment, c'est pas en accéléré. C'est super rapide. Elle épluche vraiment super bien ce fruit. Ça se voit qu'elle a l'habitude, quoi. Par contre, je sais pas c'est quoi ce fruit. Donc, si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires. Moi, j'ai dit une mangue. Mais je sais pas si c'est ça. Donc là, je sais pas c'est quoi. Ah ouais, il pose les tuiles. Regardez comment il les pose rapidement. En plus, le pire, c'est qu'il les pose alignés. Hein. Ah, c'est même pas fait à l'arrache. C'est fait super rapide. En fait, le temps de mettre le ciment, de poser le bloc et tout, vraiment, c'est. Wesh. Wow. Donc là, je crois qu'il va faire cuire un truc.
Je sais pas s'il a mis. Ah non, j'allais dire du ketchup. En fait, il fait un dessin là. Ah, lui, il a un vrai talent par contre. Parce que là, il fait des choses, je comprends pas, mais ça a l'air bien fait. Waouh! Regardez le rendu final! Il a fait quelque chose de. C'est une œuvre! Une œuvre! Une vraie œuvre d'art! Et il l'a fait avec les moyens du bord. Wesh! Donc là, encore des travailleurs. Ils sont super rapides, encore une fois. Ils se mettent à plusieurs, mais vraiment, ils font bien. Et c'est juste incroyable en fait. Alors, comme vous aurez pu le voir dans cette vidéo, vraiment, il y avait des travailleurs super rapides. Vraiment des gens incroyables et dotés d'un talent vraiment ben, juste immense. Parce qu'ils faisaient des choses que nous, on voit et on a peut-être l'habitude de faire, mais eux, à une rapidité jamais vue. Ça veut dire que vraiment, pour faire tout ça, c'est qu'ils se donnent la peine de réaliser les tâches demandées. Peu importe l'épreuve, ils la surmontent et ils la font le plus rapidement possible, comme j'ai dit précédemment. Et vraiment, c'est juste eh ben, magique de voir des gens comme ça. Et juste respect et un grand bravo à eux. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter un maximum cette vidéo si elle vous a plu. Et sinon, moi sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. C'était Mauno, allez, ciao!